Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing. Alors on n'est pas mercredi, on n'est pas samedi, là j'ai complètement déraillé sur les jours de présentation des unboxings, mais c'est pas très grave. Le principal c'est que je vous présente ce que j'ai reçu. Alors aujourd'hui ça va être spécial Diamond Painting. Ça y est, j'entends derrière les écrans, hurrah du DP. Oui, du DP. Alors, c'est de la boutique Diamond Art Gif. Alors, c'est une... j'allais dire une commande, non. J'ai choisi mes articles le 3 juillet. Voilà, et je les ai reçus le 20 juillet. Nous sommes le 27, je crois. Oui, j'ai mis une semaine avant de vous faire la vidéo. Mais à coup pas. Mais bon, j'étais souffrante, j'ai pas mal, voilà. Donc j'ai pris du retard, mais alors du retard de toute façon dans tout, pas seulement dans l'unboxing. Bon, je suis coincée, ah, voilà, ça va mieux. Ah. Alors aujourd'hui, pardon, 2 DP, un accessoire, plus 1 DP. Je vous explique. Lors de la dernière présentation, le dernier partenariat avec Diamond Art Gif, vous vous rappelez que j'avais choisi 3 DP. Alors il y avait une panthère, il y avait un tigre, il y avait un loup, pardon, mais c'était en vitrail, en vitraux, vitrail, bon, on s'en fiche un peu. Mais il y a eu un tout petit souci dans celui de la panthère. Donc, bon, ça arrive. Hein, c'est pas la fin du monde. Et si un jour ça vous arrive, vous envoyez tout de suite un message à la boutique et ils vous renverront. Ils feront ce qu'il faut pour corriger le petit souci. Alors, moi, il me manque. Enfin, c'est pas qu'il me manquait. Il y avait une erreur de référence de couleur sur une seule couleur. Je ne sais plus vous donner les numéros, mais par exemple, au lieu d'avoir un bleu, j'ai eu un orange. Mais je ne sais plus. Hein, mais enfin, je devais avoir du bleu, ça c'est sûr. Mais j'ai eu une autre couleur à la place. Donc, quand Chouchou a voulu commencer le DP, du coup, il l'a mis de côté. Et j'ai envoyé tout de suite un message à Diamond Art Gif en leur demandant qu'ils m'envoient les perles manquantes, du coup. Voilà. Et au lieu de m'envoyer les perles manquantes, ils m'ont envoyé le DP complet. Alors je vous remontre, je ne vais pas vous remontrer en détail puisque vous l'avez déjà vu. Je vous remontre juste le dessin. Donc je les remercie beaucoup parce qu'ils n'étaient pas obligés, hein, de m'envoyer le DP. Ils auraient pu m'envoyer juste le sachet de perles. Voilà, donc les perles étaient comme ça en sachet chapelet, en chapelet, voilà, donc des perles rondes. Il y a bien sûr le petit toolkit avec. Et voilà le dessin, voilà, que le DP, pardon, où il manquait une couleur. Alors, justement, Chouchou a terminé ce DP ce matin. Il l'a fini ce matin parce que, bon, du coup, on a pu récupérer la couleur. Je vais y arriver, oui. J'ai pu récupérer la couleur qui lui manquait. Et il a pu finir son DP aujourd'hui. Du coup, moi, je me retrouve avec un DP en plus. Voilà. J'espère que je vais y arriver à mettre bien le plastique. Ça m'énerve quand ça fait des plis. Je ne suis pas maniaque, hein, mais bon. Du coup, je me retrouve avec un DP en plus que Chouchou a déjà fait. Mais là, du coup, sur celui-là, il manque une couleur. Puisque moi, j'ai récupéré la couleur manquante pour... j'ai récupéré la couleur manquante
pour qu'il puisse finir le sien. C'était la couleur... Ah, bah, la 995. Voilà. Alors, hop. J'arrive, hein. Vous inquiétez pas, je suis en train de me battre avec le plastique. Je sais pas ce qu'il a, il veut pas. Voilà. Ah, mais... Voilà. C'est qui va avoir le dernier mot? Pas lui, non? Voilà, ça y est. Donc, voilà. Là, on voit mieux. Du coup, bah, ce kit, puisque moi, je ne vais pas en avoir l'utilité, puisque Chouchou l'a fait, je vais vous le donner, vous l'offrir. Mais il faut savoir, donc, si vous avez des perles d'avance ou voilà, si vous avez moyen d'avoir la couleur manquante, sachez qu'il vous faudra, alors c'était 3 petits sachets, donc 3 sachets zippés, hein, les petits, de la couleur 995. Voilà, c'est la seule couleur qui va vous manquer dans le kit. Mais du coup, je vais l'offrir. Jusque là, je demanderai que l'on paye les frais de port. Voilà. Je vous remettrai un message sûrement sur le groupe où je verrai. Mais là, bon, la première arrivée, premier servi. Donc, si ça vous intéresse d'avoir ce kit, je vous dis malgré qu'il manque une couleur, donc il faut que vous trouviez juste 3 petits sachets, vous savez les sachets en chapelet, où on, il y en a qui appellent ça en ribambelle, donc la couleur 995, voilà, c'est la seule qui va vous manquer dedans. Donc si vous êtes intéressé par ce kit, envoyez-moi un email ou si vous avez mon Facebook, vous me mettez un message sur mon Facebook. Premier arrivé, le premier qui paye les frais de port, alors ce sera envoyé par Mondial Relais. Et les frais pour ce kit, pour Mondial Relais, vont être de 4,40 €. Voilà, si vous êtes en France, hein, si vous êtes à l'étranger, c'est un petit peu plus cher. Mais dans ce cas-là, je vous le dirai dans le message. Donc, première arrivée, premier servi. Premier arrivé, premier payé, premier servi. Voilà. Donc, je vous le garde au chaud. Si ça intéresse quelqu'un, je vous dis, il faut juste que vous ayez, vous trouviez la couleur 995. Voilà. En tout cas, je remercie énormément la boutique Diamond Argif de m'avoir, bah, du coup, renvoyé un kit au lieu de me renvoyer des perles. C'est vraiment très, très gentil de leur part. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, alors, après, je me mettrai face bureau. Accessoires. Alors, un accessoire, j'ai repris un stylet. Bon, c'est surtout pour Chouchou, hein. Vous savez que moi, je n'en fais pas beaucoup hein, de DP maintenant. Mais j'en referai, hein. Je vais continuer les miens, mais voilà. Alors, c'est, hop, reste là toi, voilà, ça c'est le manche du stylet, alors je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur, si j'allume, là, attendez, il faut que je mette ma prise, c'est vrai, avec les travaux j'ai enlevé mes prises, hop là, voilà, vous avez vu, j'ai enlevé toutes mes guirlandes de draps et de tels oreillers, en fin de compte, j'ai pas eu de poussière dans ma pièce. Oh, je suis contente. Mais bon, quand ils feront les fenêtres, ce sera peut-être pas pareil. Hein. Alors, je vais allumer mon anneau lumineux. Attention les yeux. Oula. Bon, vous ne voyez pas beaucoup mieux, mais bon. Alors, ce sont tous des petits... alors, il y a des petits... Alors, non, je ne pense pas que vous verrez... Il y a des petits cœurs, il y a des étoiles, voilà, dorées. Et après, c'est en vert, en blanc, je crois. Voilà, c'est tous des cœurs, des étoiles, toutes des petites choses comme ça. Alors, il y a des mini-étoiles, il y a des mini-cœurs, des pleins, des creux, des... Voilà.
Bon, il m'a pas l'air lourd, hein, mais ça va. Alors, j'ai deux embouts. Donc, un multiplaceur, comme ça. Alors, ça, c'est un multiplaceur de 5, 6, 6, je crois. Hop. Voilà. Et j'ai un simple, bien sûr, donc, que l'on va mettre de l'autre côté. Bon, bien sûr, ça, il faut que ça m'embête. Alors, je vais essayer dans l'autre sens, hein, des fois, il suffit de changer juste le côté. Bon, Chouchou aura plus de force que moi, je pense. Voilà. Le multiplaceur, lui, va bien, mais lui, il ne veut pas rentrer. Décidément, j'ai pas de bol, hein. Bon, Chouchou, il le mettra. J'ai pas de force dans mes mains. Voilà. Alors, ce petit stylet, il était au prix de 5,99 $. Voilà. On le met sur le côté. Et maintenant, je vais vous montrer les deux DP que j'ai choisi. Donc, c'est deux DP 30-40 en perles rondes. Perles rondes, comme je vous disais, bien sûr, on a le petit toolkit, hein, comme d'habitude. Je vais peut-être éteindre maintenant l'anneau lumineux. Voilà, c'est mieux. Et bien sûr, les perles. Alors, je vais vous les montrer. Voilà, excusez-moi. Donc voilà les perles. Ah, j'ai un sachet là. Donc le 4. Bon, des jolies couleurs. Bon, un peu neutre, mais quand vous verrez le thème du DP, ben, vous comprendrez pourquoi. On arrive au bout, ça je pense. Voilà, et le dernier, voilà. Bon, je rangerai les perles après. Et ceci pour une Vierge et l'enfant. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui n'aimeront pas, hein, ça je comprends très bien, il n'y a pas de souci. L'autre jour, on avait fait un Jésus. Voilà. Et moi, je voulais que Chouchou fasse une Vierge. Voilà. Et donc, la voici. Alors, les vierges sur en DP, on en trouve de toutes sortes, plus ou moins réalistes. Bon, là, d'accord, il y a des fleurs sur le côté, mais ça va, ça ne me gêne pas. On comprend très bien ce que c'est. Et j'aime beaucoup. Voilà. Elle est simple. Elle n'est pas trop signée religieux quand même, malgré que c'est une Vierge et l'enfant. Donc l'enfant, c'est bien sûr c'est Jésus. Donc moi j'aime bien. De toute façon, il en faut pour tous les goûts, hein. Voilà. Et en DP, de toute façon, il y a des DP pour toutes les religions. Tout le monde peut avoir des images à la religion qu'il pratique.
Donc, voilà. Donc, nous, c'est ben, religion catholique, hein. Vous aurez bien compris. Et puis, voilà, oui, moi, je voulais avoir une Vierge et l'enfant ou une Vierge toute seule, mais bon, j'ai trouvé celle-là très, très belle. Donc, voilà. Donc, c'est Chouchou qui va me la faire, bien sûr. Pardon. Et après, je verrai où je la mettrai dans la maison. Peut-être dans la pièce de devant ou alors avec celui qu'on avait fait sur Jésus. Je ne sais pas encore. Hein. On verra quand il sera fait. Voilà. Alors, celui-ci, c'est donc un 30-40 perles rondes, mais 30-40 en toile complète. Donc, en le dessin par lui-même, il fait 22,5, un petit peu plus, sur 32,5. Voilà. Son prix, alors son prix, il est à 4,99 $. Voilà, donc en plus c'est pas cher. Donc pas de souci. Bon, je remballerai tout après. Je vous montre le deuxième. Alors, désolé, je ne l'ai pas déballé. Il va y avoir un tout petit peu de bruit. Alors, je sais que celui-là, j'en ai dit, j'ai pris plusieurs. Mais je pense pas avoir déjà pris celui-là. Alors, ah, ici, on va avoir les perles en sachet zippé. Voilà. Donc, comme d'habitude, on a le petit toolkit, hein, le stylet, le plateau, le petit carré de colle. Et ouais, je vais déballer parce que là, vous ne voyez pas bien toutes les couleurs. Bon, c'est pas grave. Pardon. Alors, voilà les couleurs. Donc là, on va être dans les tons violet, rose. Oh, pardon. J'ai raté le téléphone. Alors, bah pourquoi tu floutes, toi? Ah, voilà. Fatigué le téléphone? Bon, des perles très propres, hein, très... il n'y a pas de souci. Quand je dis très propres, ça ne veut pas dire qu'elles sont sales, hein. Je veux dire qu'il n'y a pas de poussière de perles. Mais depuis le début qu'on connaît les DP, je crois qu'ils se sont beaucoup, beaucoup améliorés quand même. C'est vrai que les tout premiers DP, des fois, c'était pas ça. Hein. Même au niveau des perles. On avait beaucoup de perles cassées, etc. Surtout dans les perles carrées, je trouve. Bon, moi, maintenant, je ne prends plus de carrés, donc je ne sais pas, mais... Et voilà le dernier. Alors. Donc, hop, je remets comme ça. Bon, j'enlève toujours les perles, mais après, je ne sais pas bien les remettre. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que c'est emballé. Et tout ceci pour une Gorgus. Voilà. Je ne pense pas l'avoir déjà eue, celle-là, non. Alors, elle est toute belle. Voilà. Avec des... Ah, j'ai oublié de vous montrer l'impression de sur l'autre. Je vais vous le remontrer après. Voilà, ici, niveau impression, bah, c'est top, hein. Donc, vous allez avoir que des lettres majuscules, voyez, dans la légende. Donc là, le chiffre ici, c'est les références de couleur, les références DMC, hein. Vous voyez, ça colle bien. Donc avec ça.
Bon, c'est pas un fond uni, vous voyez. Il y a des petits changements de couleur, mais c'est bloc. Voilà. Alors, cette jolie Gorgus, elle est au prix de 4,88 $. Voilà. Alors, du coup, je vous remontre l'impression sur l'autre. Je suis désolée, j'ai oublié. Hop. Ah, c'est pas des bêtises. Voilà. Regardez. Hop. Non, ça floute. Voilà. C'est nickel. Il n'y a aucun problème. Niveau colle, ça colle. Et ici aussi, on a des lettres majuscules pour la légende. Voilà. Donc aujourd'hui, vous aurez vu une Gorgus et une Vierge à l'enfant. Plus, bon, celui-là, j'ai déjà remballé, plus le kit de la panthère. Voilà, donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé par ce kit, sachez qu'il manquera une couleur, le 995. Il manquera trois petits sachets chapelets. Voilà, moi, je vous l'offre, mais contre les frais de port. Voilà, qui vont se monter à 4,40 € par Mondial Relais. Si vous voulez par la poste, là, bon, ce sera plus cher. Mais je peux envoyer par la poste également. Et également le stylet, voilà. Et le petit stylet. Écoutez, moi je remercie beaucoup encore une fois la boutique Diamond Argif. Je les remercie doublement, surtout pour le kit de la panthère qu'ils m'ont renvoyé. Donc si un jour ça vous arrive, n'hésitez pas à envoyer un message au vendeur. Il y a toujours une solution, ils ont toujours une solution pour vous. S'il manque des perles ou s'il y a un problème sur le kit, donc n'hésitez pas à leur envoyer des messages. De toute façon, ils répondent très très vite. Ben voilà pour aujourd'hui. Moi, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.